Et bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, c'est toujours Gretto au micro. Et je vois des tweets. Enfin voilà, j'étais en train de me mettre dans un petit tweet, mais voilà. Donc oui, si j'applique Twitch et que je l'appelle Gdit, ça va pas faire. Donc ça va pas le faire. Donc ce soir, deux jeux au programme. La caméra, elle est là, elle est pas là-bas, non, elle est là. Donc ce soir, comme je le disais, deux jeux au programme. On commence par du Mulligan, là, tout de suite, et après, on va zapper un, enfin, zapper un petit peu. On va aller continuer un petit peu la petite aventure que j'ai commencé sur Watch Dogs il y a deux jours. Oui, les amis, j'espère que vous êtes prêts. On va partir sur le petit tweet. Comme d'hab. Alors déjà, il faut que je récupère l'adresse de la chaîne. Je n'ai pas lancé pour une fois, d'habitude je le lance. Là, je ne l'ai pas lancé. Je ne sais pas absolument pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors le stream est lancé, c'est en mode écran, donc voilà. Alors, c'est parti! C'est parti! Oulala, comme ça. Pour Mulligan. Oh, comment j'ai écrit ça, moi? Comment j'ai écrit ça? On aurait dit que je sais plus écrire, quoi. Pour du Mulligan. J'écris n'importe comment, c'est n'importe quoi. Je passerai sur Watch Dogs. Après, oui. Voilà, donc là, le tweet est prêt, il est parti. Ah, mais les gens, c'est bien, enfin, j'ai bien écrit le titre pour une fois, sans faute. Je dis pas des titres. Et je pense qu'on est bien, le tweet est parti, c'est bien prêt, c'est frais, donc c'est normal. Moi, j'ai tout fermé, il n'y a pas de problème. Donc, on est parti pour du Mulligan, si. Je veux bien se lancer. Normalement, il devrait pouvoir se lancer sans aucun souci. J'ai fait une petite mise à jour sur Nvidia juste avant, enfin, sur les drivers de la carte graphique, donc c'est pas gênant. Mais voilà. Si je donne mon mot de passe en live, ça va pas le faire du tout. Alors pourquoi il veut pas mort? Ah, ouais, ah non, ah oui, voilà, c'est pour ça. J'ai pas écrit mon pseudo en entier, tout simplement. Voilà. Évolue, donc le chat est lancé. Kim Legion sans délai serveur, c'est quand même mieux. Oui, c'est vrai que c'est nickel. C'est mieux. Donc là, le jeu est en train de se lancer. Donc, Mulligan, free to play. De chez Webzen. Donc, il y a la rediff que j'ai postée sur YouTube. Enfin, que j'ai postée, que j'ai uploadée sur YouTube. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore. Par contre, j'ai pas encore rendu public. C'était la rediff d'hier. Donc, vous l'aurez probablement juste après ce stream. Peut-être entre deux, je verrai. J'espère qu'il y a un petit peu moins de monde sur les serveurs. Maintenant, il est toujours aussi bondé. Ah, il est bondé, il est bondé. Donc, j'ai joué un tout petit peu en off hein, par rapport à hier. J'ai un petit peu avancé. Donc, vous voyez, j'ai pris quelques niveaux. J'ai pris un petit peu de galon. Et puis, on va progresser comme ça. Essayer de voir si c'est toujours aussi. Enfin, comment c'est, parce que c'est toujours aussi bien. Parce que je le sais pas encore, du coup. Mais on va voir tout ça. On va voir tout ça tranquillement. You can earn better world by raising the dungeon difficulty. Donc oui, ça semble logique. Alors les temps de chargement, il y en a toujours un petit peu. Voilà, mais vous voyez, pas de délai de serveur là. On peut directement aller jouer. Là, je dois tuer des ants. Donc c'est ces trucs-là. Donc ça va aller un peu plus vite. Et puis en plus, j'ai pris un petit niveau d'esprit et de soul. Donc j'ai un petit peu changé mon orientation par rapport à hier. Allez. Donc j'avais validé la petite quête, comme ça va être fait. Niveau du stuff, oui j'en ai récupéré pas mal du coup, mais pas forcément encore utile. Voilà, donc on récupère un petit peu d'expérience, ça te fait toujours plaisir. Attention à pas utiliser mes potions d'XP dans le vent, j'en ai récupéré en plus des un petit peu meilleurs que la première fois, en plus c'est par là-bas. Je vais faire attention à ne pas non plus faire n'importe quoi. Donc là, il n'y a pas d'ennemis, on va en profiter pour monter les points. J'avais mis quoi? Allez, 5%. C'est nickel, on va repasser en Critical Raid. Donc en possibilité de coup critique.
Ok, talk to calif, talk to calif. Alors, on n'a pas de monture, par contre, oui. J'ai mon petit, pet, en fait. On a une gestion de pet. Voilà. Je sais pas comment je peux l'améliorer. Donc, il augmente aussi ma puissance de combat. Voilà. Par exemple. Est-ce que je peux le level up? Ça va me coûter... c'est des points... Ok. Donc, en fait, c'est des espèces de points spéciaux qu'il faut récolter. Je sais pas encore comment. Ah, et j'ai aussi un Skeleton Warrior. Lui, pareil, il améliore mon style, enfin, ma puissance de combat, un peu comme Dalar. Un peu comme Dalar. Donc voilà, donc c'est un non-combattant, celui que j'ai actuellement, et celui-là, il est combattant, on va le voir, on va l'appeler. Il réduit le cooldown et augmente le taux d'HP. Moi, je préfère le taux d'XP, et comme ça, j'XP un peu plus vite. C'est comme ça qu'on va faire. Comme ça qu'en progresser, pourquoi pas. Par contre, au niveau de la map, là, je voulais regarder où est-ce qu'il y a. Bah, tiens, le prochain donjon, il va être juste après, j'imagine. Défaite Kérous. On est un petit peu par là-bas. J'imagine après qu'il y aura un espèce de donjon, du coup. Bon, ça va un petit peu vite, parce que je suis pas trop mal XP, pas trop dégueulasse. Voilà, on n'est pas trop mal. Big Grand Scale. Ah ok, les Grand Scale Kero. Ok, donc là j'ai une petite quête, on va dire, entre guillemets, timée. Donc, il faut que j'en tue 12 en 4 minutes. On est déjà la moitié. J'ai quasiment tout fait. En plus là, il y a un petit banc là. Et venez tous par là. Et je tue tout le monde, oui. Salut Sukata, salut Xtaz, hein, je vous ai pas vu, donc j'espère que vous allez bien. Donc on est en mode de petite découverte de Mu Online, de Mu Legend plutôt, qui est disponible depuis hier, mais il y avait un gros souci au niveau des serveurs hier. Ça va un petit peu mieux, les serveurs sont bondés, même les serveurs européens, il y en a deux qui sont verts, et celui sur lequel je suis est totalement complet, mais c'est totalement jouable, donc ça va. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Donc si vous avez des petites questions par rapport au jeu ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez surtout pas, si je peux répondre, je le ferai. Serge Kerutent. Donc en fait, je dois... Ouais, ça va, il y en a trois. On va y aller un par un. Ok, bon, là, faut juste se déplacer dans la zone pour valider la quête. Il n'y a pas trop de soucis. Et la dernière zone... La dernière zone où, par où, qui est par là-bas, d'accord. Par contre, je vais me faire un petit peu attaquer, j'imagine. Alors, on va faire ça. Merde. Par contre, j'ai pas de potion. Parce que c'est vrai que toutes les compétences sont attribuées, je les ai attribuées aux, on va dire, aux touches du clavier, mais les lettres. Alors qu'en général, c'est plutôt dans les touches, dans les caractéristiques alphanumériques, dans les caractères alphanumériques plutôt, en général. Bon, c'est pas tellement gênant, mais de toute façon, j'ai un petit peu des habitudes, du coup, c'est un. Ça peut être un petit peu plus délicat. Alors là... On prend les quêtes. Alors, on est quasiment, dans un gameplay type MMO free-to-play, comme on a l'habitude d'en trouver habituellement dans les jeux asiatiques. Celle-ci, j'ai pas réussi à la trouver tout à l'heure, la petite violette qui est en bas à droite, j'ai pas réussi à la trouver. Non, je l'aurais faite. Tout à l'heure. Alors, Finding Lida, machin. Alors, est-ce que déjà je vais pouvoir faire un petit donjon là? Et je veux savoir. En mode Master, ou même en mode Calamity.
trouver une partie. Et comme on a de level 27, on va éviter de le faire en mode calamité, on va le faire, tiens. On va essayer en hard. On peut être niveau 17, donc c'est pile mon niveau. Est-ce que je vais trouver un petit peu de monde? En plus, il m'a refilé une... Ah, ok, donc il a pas... Il a... La quête, en fait, on l'a fait... C'est une espèce de quête de zone, en fait, qu'on va récupérer à chaque fois. Ok. Il y en a pas mal ici, donc je vais réussir à la faire, j'imagine, sans trop de soucis. Ça me permet d'exister un tout petit peu aussi, donc c'est cool. Donc là, il m'en reste 4, ça devrait être rapide. Il y en a 3 en bas, là. On va y aller rapidement. On va y aller rapidement. Où est-ce que tu... Où est-ce que vous êtes, là? Ça m'a permis de prendre un niveau, j'ai l'impression. Non, même pas. Alors, j'ai dû ramasser des espèces de gemmes. Donc là, j'ai réussi la petite quête. Ah oui, donc ça donne un petit peu d'XP et de l'argent. Donc c'est quand même pas mal à faire, ça, du coup. Alors il n'y a personne, alors ce que je vais faire c'est que je vais changer de difficulté en normal, on va voir si je trouve en normal. Ah tiens voilà, en normal on trouve direct quoi. Alors j'en ai fait un en calamité mais c'était le niveau d'avant, donc là par contre, je sais, je pense pas qu'on est en normal vu que le niveau recommandé est fixé à 20. Ah oui, donc alors, dans cette compétence j'ai débloqué un emplacement de gemme. Ça c'est cool. Donc je vais pouvoir choisir une espèce de gemme à équiper pour améliorer, on va dire, les compétences, enfin la puissance de ma compétence. Et ça, c'est vraiment cool. Là, je suis dans un petit groupe. Bon, je suis l'un des plus bas levels. Mais ça devrait pouvoir se passer sans trop de soucis, là. Là, ça demande un petit temps de chargement, le temps que tout le monde arrive. Voilà, donc ça va un petit peu mieux qu'hier. Donc là, il y a tout le monde qui est là. Temple of Forgotten. Donc il y a encore un petit là. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça lag? Au niveau du stuff, j'ai rien à ramasser d'intéressant pour ma classe. 19 000, 13 000, 18 000, 15 000, 16 000. Ben, je suis pas trop mal. Hein. Je ne suis absolument pas trop mal. Donc il y a. Il y a un joueur qui galère un petit peu à charger. Est-ce que ça va nous permettre de faire le donjon quand même? Ah, voilà. Donc là, on est 4. Il en manque un. Ça doit être Overlord. J'ai pris un niveau d'esprit en plus. On va pouvoir avancer tranquillement. Hop. Petit œuf. Bon, on est bien. Il y avait un boss là. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ben voilà. Et on est pas mal du tout. On est vraiment pas dégueu au niveau du groupe là. Un petit peu d'argent mais bon on en gagne tellement que finalement. Là en mode normal c'est un peu simple quand même. Hein.
ramasse tout ça. Ben voilà. Tout le monde de valider. D'accord, on est 4. On est même pas 5, on est 4. Donc les autres, ils appuient n'importe quoi. Ils appuient sur le bon bouton pour qu'on puisse valider le donjon. Il y en a toujours un qui galère, qui a pas compris qu'il fallait appuyer sur oui. Bon bien, voilà. Il suffit que tout le monde valide pour que ça fonctionne. Et salut Ngoi, salut Eru30, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est sur Mu Legend. Là, on est dans un petit donjon, là, justement. On découvre un petit peu tout ça après le petit live d'hier où les serveurs du jeu étaient un petit peu buggés. Ben moi, ça va très très bien, j'espère que tu vas bien. Et toi aussi. Donc voilà, voilà. On profite un petit peu, pour le moment c'est du Mu Online, et on passera un petit peu la soirée après sur Watch Dogs premier du Mu. Alors, on progresse toujours comme ça. On tue un petit peu tout le monde, ils ont tué le boss. Ok, il y a encore des ennemis. Voilà, donc là on est vraiment en mode normal, entre guillemets, dans un donjon, en mode normal. Donc c'est assez simple, c'est pas hyper compliqué. Et j'en ai profité pour quasiment prendre deux niveaux, je crois. Il va prendre très très cher très rapidement. On peut jouer à ce jeu où c'est pas encore possible. Alors c'est totalement possible. Il suffit simplement de récupérer une clé pour jouer. Apparemment il y en a pas mal. C'est Mu Legend, tu dois pouvoir trouver ça. Il doit rester sur jeuonline.info. Il doit rester des clés. Pour Mu Legend. Sinon oui, de toute façon, c'est un jeu, quand il va sortir, ça va être free-to-play, c'est disponible chez Webzen. Donc voilà. Marshall lève le parti, moi je vais faire pareil, on va quitter. Donc pour le moment, c'est la bêta fermée, mais c'est une bêta fermée quasiment, où le jeu est quasiment en état de sortir. Ah, il y a un petit temps de chargement, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sur le serveur sur lequel je suis. C'est probablement pour ça que ça c'est pas que ça déconne, mais que ça bug un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de boss. Donc on va l'affronter tranquillement. Voilà, donc il avait fait tomber un peu d'argent et un peu de stuff. Donc c'est toujours intéressant de faire les petits boss qui pop un petit peu comme ça. Donc là, on va aller valider ma petite quête. Et j'en profitais pour équiper un petit peu, regarder un petit peu ce que j'ai récupéré dans ce donjon. Alors c'est par là-bas. Tiens, bon, il y en a encore un qui est à peu près. Oh, j'ai eu chaud, là. On va dire que j'ai eu un petit peu chaud. Ouh! J'ai un petit peu chaud parce que j'avais plus de vie. Ça a failli être limite pour moi, là. On va valider toutes les quêtes. Ok, donc là, je récupère ma vie en plus. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai ramassé. Et je dois être niveau 20 pour équiper tout ça. Bon, c'est dommage. Hero token. The token went to those who have usage material for various... Comment ça s'utilise? Je sais pas trop. Donc c'est des choses qu'on va utiliser, mais je sais pas encore trop pourquoi. Il y a encore pas mal de choses comme ça qu'on ne sait pas. Intelligence, subject, rare game war. Donc ça, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est pas pour ma classe. Ça, c'est pas... Ah non, si ça c'est pour moi, mais je l'ai déjà la même. Donc je vais pas pouvoir l'utiliser.
Ok, donc ça c'est des trucs que je vais pouvoir vendre un peu plus tard. Voilà, donc j'ai quand même pu récupérer des gants. J'ai ces deux trucs là que je vais pouvoir équiper plus tard, mais c'est pas encore à ma classe, donc je ne peux pas encore les mettre. Ok. Et là je dois tuer ces petites bestioles. J'en ai trois comme ça à faire, ok. Et voilà, j'ai eu les trois rapidement. Par contre, là, du coup, la quête, elle est un peu avancée. Alors, comme je l'ai pas tout à l'heure, mais on est dans une espèce de hack and slash avec une grosse composante MMO. Ils m'ont même pas attaqué. Je leur ai fait mal, mais ils m'ont même pas attaqué, quoi. Ok, donc là, c'est un peu plus par là-bas, d'accord. Aller valider. Alors pour le moment ça reste du classique. On va essayer d'avancer un petit peu, d'arriver au moins au niveau 25 ce soir. Donc on va arrêter aux alentours de 22h à peu près. Un peu après 22h. Parce qu'après on va passer sur Watch Dogs. Voilà. Donc là on est juste dans une bêta fermée, donc ça sert à rien non plus de trop avancer, d'aller trop vite. Mais j'ai quand même envie d'avancer pour découvrir un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. Et je vais voir aussi. Quand est-ce que je vais débloquer la prochaine compétence? Donc au niveau 19, donc dans un niveau, donc dans très rapidement, ok. Et normalement, ça va être une compétence que je vais attribuer pardon, à la touche T. Ce qui veut dire que ce serait une espèce de compétence d'esquive, en fait. Ok, donc là, j'en ai 15. Ok, donc il y a des petits groupes comme ça. Et salut Fulgorama, j'espère que tu vas bien. Nous sommes sur Mu Legends ce soir en mode pas de découverte tellement parce que c'est un jeu quand même que j'ai streamé un petit peu hier soir, que j'ai découvert vraiment hier soir. Il y avait des gros soucis de serveur comme je le disais tout à l'heure. Et j'en profite du coup pour que les serveurs soient plus stables pour y jouer un petit peu et pour avancer tout simplement. Donc là, il y a un joueur, je sais pas ce qu'il fait. Bon, ça, c'est fait déjà. Donc, je suis les jaunes là. Il m'en reste plus qu'un à faire. Donc, il y en a un par là-bas. Voilà, c'est fait. Donc je vais pouvoir valider une quête en haut et en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller valider la première. Ça va peut-être me permettre de passer un niveau en plus, donc c'est cool. Bon, le seul truc qui est un petit peu dommage, en tout cas pour le moment au niveau du gameplay, c'est la vitesse de déplacement du personnage que je trouve un petit peu lente en fait. Ça manque un petit peu de dynamisme, surtout qu'on est dans un hack and slash. Alors c'est une chose qui est quasiment primordiale, que le gameplay soit très fluide et très rapide, ce qui n'est pas le cas pour le moment de ce jeu. Alors là, il y a une quête que j'ai pas fait, mais bon, j'ai pas tellement envie de retourner trop en arrière, donc on va éviter. Battle Plan, donc de récupérer des Battle Plan, là. Et valider ma petite quête que j'ai ici aussi. Ok, où est-ce que j'ai du battle plan? Par ici, ok. Bah, quête validée, on va pouvoir avancer à la prochaine. Je croyais que c'était un boss, j'allais l'affronter. Et en plus, je suis passé au niveau 19, donc j'ai eu ma petite compétence d'esquive. Il me rend invisible en fait pendant un petit moment, d'accord. Aller valider ici.
Ok, donc là, il faut que j'aille tuer un certain type d'ennemis. Et salut Aknelma, j'espère que tu vas bien, on est sur Mu Online ce soir. Et là, il faut que je tue apparemment des arrows, enfin, il faut que je collecte des arrowheads qui sont sur ces ennemis-là. Donc, j'en ai combien? 6. Ok. Ça fait déjà 1. Déjà 2. 3, ça fait déjà la moitié, hein, à peu près moins de 30 secondes. Déjà 4, encore 2. Ok, il n'est pas disponible. Où est-ce qu'on a d'autres? Salut Timmy! Et salut! Non, je vais dire Aknelma, mais je t'ai déjà dit bonjour. Ok, donc ça c'est fait, ça me permet de récupérer en plus. Put together battle plan, deliver the plan. In the bag, deliver to it to Vigman, d'accord. Ok, donc là c'est par là en fait. Il faut que je fasse un truc par rapport au sac. Put together the battle plan in the back, deliver it to the... Ah, ok. Alors, c'est par rapport à tous les coups, à des trucs que j'ai lootés, en fait. Du tout, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc là, j'ai looté un peu de stuff, battle plan. Voilà, donc fallait juste que je fasse un clic pour valider la quête, tout simplement. Kill Goblin Assassin. Ok, bon là, il y a un truc de rift, alors on va se faire un petit donjon. En mode d'art déjà. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui est là. Alors déjà, ce que je peux faire, oui, c'est déjà attribuer les petits points là. Hop. Ok. Je me mets en master, est-ce que je vais trouver? Non. En fille, en peur. Plus. En normal. C'est compliqué. On va se mettre en master. Même en ultra difficile, j'ai essayé tout à l'heure et ça passait crème quoi. Ça passait nickel. Je prends encore des trucs de niveau 5 quoi. Donc là oui, je pourrais mettre une gemme ici. Donc Magic Attack, plus 3. J'ai un nombre de gemmes. Défense pénétration, critical damage, critical rate. J'ai critical rate. Hop. Donc je vais bientôt la débloquer pour la première compétence, enfin pour le clic gauche avec l'attaque principale. Et aussi 63% pour l'attaque électrique. Après ça augmente petit à petit quoi. Je ne sais absolument pas si je vais trouver un joueur. Enfin, un groupe tout du moins. On a déjà trouvé un autre joueur. Alors moi je vais avancer dans ma quête tout simplement. On est déjà 2, 3.
Voilà, c'est validé. Et ça fait un. J'en ai encore deux à récupérer. Ça. Alors il reste plus qu'un joueur à trouver et on pourra partir en mode master. En plus j'ai l'impression que je suis pas le plus faible mais presque dans le groupe. Et normalement ça devrait pouvoir, enfin je devrais passer niveau 20 dans ce donjon là pour profiter de ce que j'ai ramassé dans le donjon précédent. Je dois avancer par là-haut, ok. En plus, je ramasse un max de thunes. Et salut, Xkuba, j'espère que tu vas bien. On va valider tout ça. Et prendre tout ce qu'il y a dans la zone. Il y en a ici. Ok, donc toutes les quêtes sont par là-bas. Là, j'en ai plein en même temps en plus. Ah bah tiens. On a trouvé le cinquième joueur, du coup je vais rentrer dans le donjon pour avancer, pour progresser. Ok, donc en plus on peut looter pour toutes les classes en fait. Ouh, il y en a qui ont eu du rare en plus. Allez, tout le monde validé. Voilà, on a un groupe de gens intelligents qui valident les quêtes, et ça c'est cool. Ça a permis en plus d'arriver niveau 20. Ramasser plein de choses dans ce petit donjon. Ouh! Prends la potion! Bordel! Putain, je suis mort comme un con, je suis vert. Et salut ce Destroy 13. Pas peine, j'ai eu qu'un A, c'est dommage.
J'ai fini bon dernier du donjon. Et salut Gawam. Oui, là, c'est le même jeu d'hier qu'hier. Et ça fonctionne un peu mieux. Ouais, beaucoup mieux quand même. Si c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde. Ok, donc on va se le refaire. En mode fier cette fois-ci. Ah, j'ai fini bon dernier là. Ah, je peux pas lancer la partie s'il y a plus de 5 niveaux d'écart, bordel. Bon, je vais attendre qu'ils se barrent les autres. Alors il y a Koulias, Ricky et Desgad. Recommandé de level 25. Ah tiens, voilà. Faut que l'autre, la Koulésia, il se barre un peu mieux encore une semaine et ça sera tout jouable. Ah non, c'est quand même mieux. Ça, c'est totalement jouable. Il y a parfois... Ah voilà, Bon voilà, j'ai directement trouvé un groupe, c'est cool. Et salut Ender. Et salut The Destroy 13, je sais pas si j'ai dit bonjour un peu mieux. Ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Voilà, donc là, j'ai trouvé un groupe pour partir dans le donjon direct. Donc on s'en fait deux d'affilée. Ok. On a un peu de chance là, je suis pas en retard. Oh là là, une petite gemme rare. Allez. Ok, ça continue. Alors plus t'avances, plus c'est dynamique, mais c'est pas la folie, quoi. Le globalement, hormis... Enfin, les donjons, faut les faire en mode calamité, parce que là, on est dans le mode des difficultés, honnêtement. Le deuxième plus élevé, et c'est finger in the nose, quoi. Voilà, faut tout ramasser, parce que ces gemmes-là, elles sont utiles. Attends, il y a 2 minutes, j'avais le meilleur DPS, et là, je suis dernier tellement je fais pas de dégâts, quoi. Hop. On va pas non plus faire que des donjons, après on va avancer sur la map. Ce que je veux arriver, c'est au moins arriver niveau 25 ce soir. Pour pouvoir accéder à l'espèce de premier donjon balèze, entre guillemets. J'ai pris un niveau. Oui, j'ai pris un niveau. Et voilà, le donjon terminé, c'était super rapide. Et j'ai fini encore une fois avec le pire DPS. Je suis nul, hein. Allez, on ramasse tout ça. J'ai tout ramassé, ouais. On peut y aller. Alors c'est vrai que ça va un peu mieux, c'est hyper rapide. C'est des petits donjons comme ça, c'est cool. Ça permet de, justement, les gens qui veulent progresser le plus rapidement possible au level... Pardon. Au level max, bah ils farment ce genre de choses. Enfin bref. Ouf. Ok, on range tout ça. Oui, donc j'ai ramassé des trucs intéressants, je suis passé niveau 20, du coup je peux équiper les trucs que j'avais gagnés dans le donjon justement que j'avais fait juste avant, quoi. Bon, ça, c'était pas pour ma classe, ça. Ça, c'est cool. Ça aussi. Ça aussi. Et ben, j'ai gagné pas mal en puissance, du coup. Là, j'étais à 16-17 000, là, je suis à 21 000, donc c'est cool. Puis j'ai un petit pet qui me permet de gagner un petit peu plus d'XP, donc c'est bien aussi. Ok. Donc là, on va partir pour valider les quêtes tranquillement.
J'ai l'impression d'avancer un peu plus vite, mais je crois que c'est juste une impression. Que je commence à m'y habituer, en fait. Non, c'est toujours aussi lent. C'est toujours aussi lent, en fait. Ok, donc là, j'en ai 10, mais eux, ils me saoulent aussi, là. Voilà, encore 7. Là, il y a un petit pack, là, on va y aller dedans, on va tout défoncer. Je sais pas si je... À mon avis, j'aurais une mission, mais je l'ai pas encore, de détruire ces espèces de petites statues, là. Ok, donc celle-ci, elle est finie. Et je dois tuer des hornes, machin, chose, là, c'est ceux-là, d'accord. D'accord, ces petites araignées de merde, là, en plus. Elles veulent pas crever, celles-ci, quoi. Il m'en reste encore un qui est par ici. Voilà, j'ai tout gagné. Ça m'a pris un petit niveau en plus. Je crois que j'en ai pris 2 sans attribuer les points. Ok. Ok, ok. Donc c'est juste ici. Ah, là, je dois sélectionner. En fait, je viens de gagner une monture. Donc, soit un espèce de cheval blanc ou un espèce de tibeton. Je sais pas ce que c'est. Je vais prendre le tibeton. Nouvelle quête à prendre. Alors, je pense que c'est une monture que j'ai gagnée, mais... Comment que ce soit un pet, je sais pas encore. Ah, c'est cool, ça. Si on a une espèce de pet, ah, c'est cool. Une espèce de loup, en fait. Le taux de coup critique. Allez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ok, pour regarder les mails, c'est en boutique. Alors, j'ai dû récupérer une espèce de récompense. J'imagine. Mais ça va être un donjon solo. Ouais, c'est ça. Bon, les jeux solo, ils sont pas super compliqués. Tranquille. Et là, on va arriver sur le boss, j'imagine, dans pas longtemps. Vu que toutes les vagues d'ennemis, là, presque, je vais presque tous tuer. Le petit truc que je voulais regarder, parce que j'ai pu équiper une gemme ici, non d'accord, donc là,